Bonjour. Donc, mon problème, c'est que je ne suis pas archéologue de métier. Je ne suis qu'un amateur très peu éclairé. Je vais seulement, en fait, poser des questions que me pose telle ou telle hypothèse, soit du père Coquet, soit Madame Camus, des choses dont on ne semble pas toujours tenir compte, alors que, à mon avis, ça, c'est important dans la démonstration de ce qu'on veut dire. Voilà. Alors ici, nous sommes donc sur la base du clocher, hein, le clocher qui, lui, a été construit au XVIe siècle par Geoffroy d'Estissac, sur des constructions antérieures. Hein. Constructions antérieures, et tout ce qui est en dessous, c'est là que ça discute sur la chronologie. Hein. Il y a manifestement deux constructions l'une devant l'autre. Hein. Vous remarquez que vous avez deux arcs qui se suivent, hein, de chaque côté, la même chose de l'autre côté. Hein. Vous avez donc une première construction, puis une deuxième qui arrive ensuite, après. Ça veut dire que quand on a voulu avoir une voûte qui, elle, est certainement romane, il n'y a pas à hésiter là-dessus, on a élevé des murs devant une construction antérieure, que certains datent de l'époque romane. Père Coquet, avec beaucoup plus d'audace, remonte 300 ans en arrière. Mais ce qu'on remarque, c'est que la construction est très différente. L'arc qui est devant est beaucoup plus mou, c'est bien dessiné. Alors qu'en dessous, vous remarquez que c'est parfait comme mise en place, quoi. Des deux côtés, pareil. Une grande différence de construction. Alors, si on met seulement 80 ans entre les deux, c'est-à-dire au début de l'époque romane où on construit très bien, et puis 80 ans après, on construit plutôt mal, ça a pu changer d'équipe, puis ça a pu travailler aussi bien, mais ça ne démontre pas grand-chose, à mon avis. Même cette porte qui est derrière moi, hein, qui, elle, fait partie de la première construction, est parfaitement construite. Hein. C'est vraiment, à mon avis, un autre, tout autre style. C'est pour ça que, tout de même, les chronologies, aussi bien du père Coquet que Madame Camus, me semblent poser des questions. Voilà, moi, je pose des questions, c'est pas moi qui vais les résoudre. Après, qu'est-ce qu'il y a à dire? Donc, dans cette construction qui est par devant, la deuxième construction, vous avez cette pile-là, avec un chapiteau tout à fait en haut qui est un remploi, hein. Ce n'est pas un chapiteau roman, de toute évidence. Hein. C'est un remploi. Ils ont trouvé ce beau chapiteau quelque part dans les ruines, et ils l'ont mis là, pour faire bien, mais ça semble un chapiteau beaucoup plus ancien, probablement. Comment dire? Probablement de l'époque gallo-romaine. Hein. Ça peut être du 2e, 3e, 4e siècle. Voilà, c'est d'inspiration grecque, chapiteau ionique, on a des exemples pareils. Et il y en a un deuxième qu'on va retrouver dans la crypte, hein, qui ressemble à celui-là, mais qui est très, très abîmé. S'il avait été en bon état, il l'aurait mis en face. Mais ça veut dire qu'il y en a au moins deux pareils. Alors, est-ce qu'il n'y en aurait pas d'autres? Ce serait intéressant d'en retrouver d'autres. Ce qui s'est passé, c'est que actuellement dans la médiathèque, c'est là que les fouilles ont commencé, sous la médiathèque, eh bien, la partie qui est à gauche, quand on regarde, vers le nord, hein, la partie qui est à gauche est dans le jardin du voisin, et ça n'a pas été fouillé. Donc, on a la moitié de la construction qui n'a pas été dégagée. Et alors, si par hasard on retrouvait des choses de ce côté-là, des chapiteaux qui ressemblent à ça, ce serait intéressant, parce que ce seraient les chapiteaux qui ont été au sommet des colonnes qu'on a retrouvées par les traces de colonnes dans le demi-cercle, etc. Ça a peut-être été trouvé ailleurs, moi j'en sais rien, je ne sais pas. Bon, d'accord. Ça peut se déplacer, parce que entre
le XIe siècle ici, et puis le deuxième ou troisième siècle, les ruines ont pu, les choses ont pu bouger de place. Alors, ceci, voilà. Donc, ces deux choses-là qui sont intéressantes, parce qu'avec ce chapiteau là-haut, on remonte au moins du temps de Saint-Martin, sinon un peu avant. Saint-Martin, 360-370 à Ligugé, hein, eh bien, c'est au moins de ce temps-là, et probablement avant. Et c'était rapporté ici. Alors, on change de disposition. On va se tourner dans l'autre sens. Vers... Donc, on a des peintures, des fresques, là. Ici, là, je suis trop près. Une fresque qui est probablement de la même époque que les fresques de Saint-Savin. Même facture, même dessin. On retrouve des choses, des dessins qui ressemblent à ce qu'on a à Saint-Savin. C'est donc... Là, on est assez d'accord pour savoir que c'est du vers 1100, quoi, hein, à peu près. Ce serait le festin d'Hérode. Hein. Ce n'est pas, il y a des gens autour d'une table, apparemment. Et puis, vous avez ici sur la gauche un personnage. Festin d'Hérode, c'est l'histoire de Jean-Baptiste. Hein. C'est que Salomé, la fille d'Hérodiade, qui vient danser devant les convives, et Hérode lui promet tout ce qu'elle voudra. C'est là qu'elle demande la tête de Jean-Baptiste. Il dit qu'on lui apporte sur un plat. Alors, est-ce que ce serait dans la prison, là, sur la gauche, le soldat qui aurait décapité Saint Jean-Baptiste? Bon, c'est une hypothèse là aussi. Sur la droite, par contre, en dessous de la porte, c'est un peu plus curieux. On a fait un lien avec Saint, comment dire? Ah, de Limoges, là, comment c'est déjà, je cherche. Saint-Martial. Je vois pas où on a trouvé ça, Saint-Martial, à Ligugé, quel est le rapport, à l'époque romane. Moi, je vois quelqu'un qui bouge, je vois quelqu'un qui danse, il y a beaucoup de mouvements, il y a un tambourin, il y a des poissons en dessous, voilà, qu'est-ce qu'ils font là, les poissons, elle est dans une piscine, je ne sais pas trop. Ça pourrait être l'Hérodiade qui danse, mais enfin bon, là aussi, c'est tout personnel, c'est l'histoire, personne n'en parle. On ne dit pas des choses pareilles. Donc c'est plein de risques. Voilà pour les fresques. Alors, il y a des traces de peinture qui sont restées sur les colonnes. Hein. Donc tout ça a été peint, hein, à l'époque de Saint-Savin, époque romane. Donc c'est une des premières constructions à Ligugé. Et cet arc vient se reposer sur ce taillois, sur ce chapiteau là, qui est très ancien, qui est bien antérieur à l'époque romane. Hein? Intéressant. Il y a même de la peinture dessus. Une peinture, là, je ne sais pas de quelle époque c'est. Donc ce serait les premières constructions post-martiniennes, quoi. Pas du temps de Martin, Saint-Père Coquet exagère peut-être un peu, mais enfin, peu de temps peut-être, ou à l'époque carolingienne, moi j'en sais rien, je ne sais pas. Bon, bref, c'est ancien ça, et intéressant. Voilà, vous remarquez donc, toujours pareil, là, ce grand arc avec les deux fenêtres au-dessus, est-ce que c'est roman, est-ce que c'est pré-roman, c'est là qu'on peut encore discuter. Ça fait partie de quoi, la première construction ou de la deuxième? Les deux murs, par rapport à ça, ça semblerait... Ouais. C'est pas pareil, voyez-vous. La voûte, elle tombe, elle coupe cet arc-là. Ça veut dire que cet arc-là était avant. Ça n'a pas été fait disons, la deuxième période romane. Dite romane, deuxième dite romane. Les deux fenêtres au-dessus, donc c'est antérieur à la deuxième construction. Tout ce qu'on peut dire. C'est ça que le Père Coquet daterait de la fin du 7e, 680. Beaucoup d'audace peut-être, mais enfin bon, moi je pose la question. Mais je trouve que... Bon. Voilà, alors on va descendre. C'est éteint, mais je pense que ça marche. Au point de départ, il y a donc une construction gallo-romaine. Hein. Le Père Coquet parlait d'une cave à grains.
Maintenant, on parle d'un bassin, c'est peut-être possible aussi. Hein. Un bassin gallo-romain, mais alors ça commence, ce bassin, il commence là, où je suis, là, hein, derrière moi. Il y a un bourrelet d'étanchéité qui court d'un bout à l'autre. Alors, il faut aller loin, et puis alors, ça continue par là, et ça va jusqu'au fond, et même au-delà. On n'a pas été jusqu'au bout de la construction gallo-romaine, du bassin dit gallo-romain. Hein. Donc c'est intéressant de savoir à quel endroit ça finit, quelque part. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Arrive une deuxième construction, sur mon plan là, c'est là. Hein. Donc voilà, voilà le gallo-romain en noir. Hein. C'est important, ça vient jusque là, hein. Ça vient là. Donc le portail actuel est derrière. Hein. Portail. Donc voilà, la cave ou le bassin gallo-romain est là, en noir. Puis devant, une deuxième construction arrive. C'est en rouge sur le plan, là. Père Coquet, avec beaucoup d'audace, disait que c'était basilique de Saint-Martin avant que ce soit Saint-Martin qui l'aurait construit. Là, je crois que je suis pas d'accord, là, par contre. Hein. Même si parfois, Père Coquet m'intéresse beaucoup. Là, c'est postérieur, c'est peut-être... Mérovingien, c'est peut-être carolingien, peu importe. Mérovingien, on a trois siècles, hein, il y a de la place. Et puis arrive une troisième construction qui déborde le tout, qui déborde les deux murs précédents, hein, où nous sommes en ce moment avec cet arc central plus large et puis deux petites nefs sur chaque côté. Hein. Vous voyez où là? Vous avez repéré. Hein. Alors c'est ça que le père Coquet a le culot de dater de 680, du temps de Ursinus, avec tout l'ensemble, et puis que maintenant on aurait plutôt tendance à dire c'est d'une construction romane. Début d'époque romane, qui savent très bien travailler à ce moment-là. C'est très bien construit. Alors voilà, donc trois siècles de différence dans la datation. Je ne prends pas position parce que... Je me permets de poser des questions que ça pose, les deux chronologies posent, aussi bien l'une que l'autre. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Voyez-vous, vous repérez les murs là, 1, 2, 3, et la construction dite romane, entre guillemets, hein, déborde les deux précédentes. Elle va jusqu'au... Et puis alors après, vous avez le mur gothique, de l'église gothique du 16e, en jaune sur mon plan là, hein, et qui est encore au-delà. Et donc voilà, on a 3, 1, 2, 3, il y a 4, 1, 2, 3, 4 murs côte à côte. Et là, après, qu'est-ce que alors, faut avancer là-dedans? J'avance avec le micro. On reviendra ici après pour les inscriptions sur les sarcophages, sur les pierres. J'emmène ça. Donc vous voyez, on est là en ce moment. Et vous? Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il n'a pas trouvé grand-chose. Hein. Il a trouvé ces deux morceaux de mur, là. Il a fait un cercle avec des briques, mais ça prouve quelque chose, mais c'est pas sûr. Et vous, voilà, quand on regarde à l'extérieur, ça déborde. Ça, c'est pas parfaitement circulaire. Okay. Enfin, il a quand même des éléments qu'il a trouvé là. Il a trouvé ça, il a trouvé ça. Alors ça, c'est donc cette partie-là qui vient jusqu'ici, hein, en rouge. Donc, d'après le père Coquet, ce serait la même époque que ça. Alors, peut-être qu'on est d'accord là-dessus, mais lui, bah, il prétend que c'est du temps de Martinien, un souvenir, un monument en mémoire de Martin, la résurrection du catéchumène dont on parle dans les affaires. Bon, alors, est-ce que c'est en même temps? Peu importe. Hein. Ça pourrait être en même temps, mais nettement postérieur. Pas aussi ancien que dit le père Coquet. Vous n'êtes pas certain. Je ne suis pas certain. Ben, en archéologie, on fait toujours des hypothèses, mais oui. Bon, elles sont plus ou moins cohérentes. C'est presque inquiétant avec le frère Coquet, parce qu'il a bâti un truc qui se tient très bien. Quoi. De temps en temps, il saute, il y a des mailles qui manquent un petit peu dans la chaîne, mais ça se développe presque trop bien. Alors, je ne suis pas sûr que ça prouve tout à fait. Alors, vers l'extrémité de la cave, enfin du bassin gallo-romain, vous avez de nouveau une construction là-bas. Vous voyez les deux colonnes là, oui, oui.
Et puis il y a une porte au milieu. Ça continue encore au-delà, on s'est arrêté là. Le mur qui est au fond, c'est du remplissage, ça a été refait après. C'est du temps du parcoquet, ça. Et sur le plan, on est où Alors nous, on est là, en ce moment, hein, juste devant la cercle. Donc ça, c'est alors, là, c'est ça. C'est sur mon plan, c'est là. D'accord. C'était caché par les trucs. Des fouilles ont été faites au-delà ou jamais? Ben non, c'est là que ce serait intéressant d'aller voir. Quand finit le. Le mur brûlé de l'étanchéité dont vous parlez, il continue par là, on le retrouve de l'autre côté. Hein. Donc, ça, ça va ensemble. Il continuait au-delà. Et ça s'arrête, ça s'arrête pas là, ça va encore au-delà. Donc ça fait un très très grand bassin. C'est ça, oui, ben, ça fait, je crois, ça fait 5 mètres de large, et puis ça fait 100 mètres, 25 ou 30 mètres, je pense. Donc c'est plutôt une piscine olympique. C'est une piscine ou un bassin, ça existait quand même. Dans les villas gallo-romaines, des bassins au milieu, c'était de cette taille, assez courant. Oui, alors, il peut y avoir beaucoup d'eau, il y aura peut-être 40 cm d'eau. Oui. Je ne sais rien, je ne sais pas. C'est là que c'est intéressant d'aller voir un peu ce qui se passe au-delà. Alors, il a dû tomber sur le mur de l'église romane. Est-ce qu'elle est l'église romane? Voyez-vous, il est tombé, il a buté sur ce mur-là. Parce que l'église actuelle, construite au XVIe, c'est en jaune, ça c'est en orange. Hein. Et ça arrêtait là. C'est seulement au XIXe, quand les moines sont revenus, ils ont construit l'abside. Hein. Et puis la chapelle symétrique de la chapelle nord, chapelle sud. Hein. Donc, il y avait un grand mur, un grand chevet plat, il a dû buter là-dessus. Et c'est bien qu'il a prêté au-delà ce mur. C'est pour ça qu'il l'a empêché. Il dit ça va. Non, ça ne soutient plus rien puisqu'ils l'ont enlevé. Il va avoir les fondations. Voilà. Alors bon, après, qu'est-ce qu'il faut dire? Ah oui, le chapiteau dont je vous parlais là. Vous vous déplacez sur la gauche. Vous l'apercevez là-bas. Hein? Ah oui. Et vous, voir là. On le voit très bien d'ici. Oui. Alors, et il ressemble, c'est le même modèle, même dessin que celui qu'on a vu tout à l'heure sur le clocher. Hein. Intéressant, ça en fait au moins deux. Il y en a peut-être davantage. Alors, pour retrouver, si on. Donc, à mon avis, ça peut venir de là, il faudrait prendre les mesures, ce qui est sous la médiathèque maintenant. Donc voilà, et ça pouvait être un sommet de ces colonnes, il y en a 16 ou 17, je ne sais plus, ou 18 ou 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Oui, on arrive à 17 ou 18. 18, même. Donc c'est cette partie-là qui n'a pas été fouillée. Alors, il s'est dit que c'était l'entrée de la ville là. C'est incohérent cette histoire-là, parce que les colonnes, il y en a continuées au milieu. Et il y a à peu près un mètre entre chaque colonne, maximum, peut-être 80 cm. Et même au milieu, il y a des colonnes. Donc c'est pas par là qu'on entrait, c'est pas insensé. Et alors c'est là qu'on a une construction qui est antérieure, ici là, en vert, hein, et qui est gallo-romaine, intéressante. Hein. C'est antérieure à Martin apparemment, hein, et avec un chauffage par le sol, un hypocauste, chauffage au sol, sur la pièce du milieu, donc ça a été un lieu qui a été habité. Ah, là, on a le période très très intéressant. C'est la première chose qu'on a trouvée là. Ah oui. Alors, c'est parce que quand la salle paroissiale qui était là a brûlé, on a reconstruit la nouvelle ici en bleu et on a creusé un peu. C'est là qu'on a trouvé ça. Ça a commencé là les fouilles. Ah, parce qu'il y avait une salle paroissiale initialement ici. Il y avait la médiathèque. Oui, c'était la salle paroissiale. C'était une salle paroissiale qui était beaucoup plus petite. Ah. Ils ont voulu faire plus beau et plus grand. Non, ils ont creusé des fondations. Et c'est là qu'ils ont trouvé ça. D'accord. Et c'est la première découverte gallo-romain. C'est aussi le Percoquet qui a fait les fouilles, là Il est venu voir quand ils ont commencé la reconstruction de la de cette salle-là. On se retourne par là. On va retourner dans l'autre sens. Ce qui est intéressant, vous avez deux sarcophages qui se trouvent dans les fondations de la nouvelle église du XVIe.
Ça veut dire que quand ils ont construit la nouvelle église, ils ont comblé tout ça. Hein. C'était déjà fait avant. Ils ont comblé tout ça. Et apparemment, ils ont transporté ces deux sarcophages de là où ils étaient, peut-être là, à l'époque romane ou antérieure à l'époque romane, pour les mettre là, pour qu'on ne les oublie pas. Ils devaient pas être très loin. Et ils n'ont pas voulu qu'on les oublie totalement. Donc, quand ils ont comblé, ils étaient probablement dans cette chose-là, quoi. Hein, comme ça. C'est là, pour les transporter. Ici. Hein. Dans la... Alors là, on a des os d'hommes. C'est là que le père Coquet fait l'hypothèse sur le fameux Ursinus, l'abbé qui est légué au 7e siècle, 680, qui aurait été enterré dans sa propre construction, mais si c'est roman, c'est pas possible. Et puis là, on a des os de femmes. Des os de femmes. Alors, pourquoi cette femme, qu'est-ce qu'elle fait là? C'est une bienfaitrice, certainement, quoi. Alors, si c'est elle qui a construit cette construction romane, eh ben... Mais l'hypothèse coquée, c'est que ça existait avant, et c'est elle qui aurait construit la restauration romane en verre, je crois bien. Donc, c'est la comtesse romane, 1004. C'est là que cette comtesse va chercher des moines à Maizet, en Niort, dans le Marais Poitevin, pour reprendre la tradition bénédictine, monastique à Ligugé. Hein. Parce qu'il y a eu apparemment une longue interruption entre le 8e et l'an 1000, je ne sais pas trop pour les dates. Hein. Donc elle va chercher des moines et c'est pour ça que elle se trouve les os de femme dans un sarcophage le plus ancien. Alors, est-ce que c'est une autre femme que cette comtesse au mode? Ça pourrait être une femme qui a vécu bien avant, on ne sait pas trop. Enfin, bref. Il n'y a pas d'inscription sur le sarcophage. Ah non. Et les ossements ont été datés? Alors, ils ont dû essayer de dater. Je pense que ça correspond à l'an 1000, je crois, autour de l'an 1000. Mais bon, avec le carbone 14, on peut des fois avoir des surprises. On ne prouve pas grand-chose. Mais là, c'est vraiment, avec le père Coquet, ça se tient ensemble, quoi. Après, on a des éléments disparates, qu'on met à différentes époques. Mais bon. Et les deux sarcophages sont de la même époque? Ça semble des remplois. Celui-là a l'air plus ancien. Non, peut-être pas. Je ne saurais pas quoi dire. Est-ce que c'est un sarcophage mérovingien? Il est grand, hein? Il est grand. Il est long. Mmh. On ne voit pas tout, là. Ouais. Bon. Je ne sais pas quoi dire, là. Je sais plus ce que je voulais dire aussi à propos des dates. Oui. On a dégagé parce que ça avait été comblé. Avant, on montait trois marches pour aller. On descendait trois marches pour aller à l'église. Maintenant, on en monte deux ou trois. Donc, tout ça était le niveau de la place. Hein. Donc, on a creusé jusque-là pour dégager tout ça. C'est pour là que l'escalier qui était. Ce mur-là était là devant le portail. Avant. J'ai vu ça. Alors donc, dans cette partie-là, dans cette nef centrale, là, il y a plusieurs sarcophages mérovingiens, une trentaine, dont les pièces les plus intéressantes ont été sorties, et pendant longtemps, elles ont été présentées debout contre l'église actuelle. Et puis quand ils ont enlevé la toiture qui protégeait l'ensemble, ça a disparu. Et on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Ils doivent être dans le jardin d'un archéologue qui est parti avec. On ne sait pas. Il y avait au moins deux. Il y en avait deux, sinon trois. Des sarcophages qui étaient plus beaux que les autres, qu'on avait sortis. Bon. Et qui on ne sait pas où ils sont. Je suis curieux. Quelqu'un s'en est emparé. Alors là, c'est intéressant parce que c'est le seul qui a une inscription. Hein. Tous les autres, il n'y a rien. C'est des sépultures de moines, tout ça. Hein. Ce qui est là, ils sont encore en place. Hein.
Et où il avait fait des dessins un peu plus intéressants, comme celui-là, c'est plus celui-là qui vient sortir. Il y en avait qui avaient des sculptures, et d'autres qui sont tout simples. Alors celui-là, donc, il a ces deux bandeaux, là, en haut, au milieu, puis en haut et en bas, trois, avec une inscription, le seul qui avait une inscription. Et c'est pour ça qu'il est sorti, il l'a trouvé par là. Par là, je crois. Donc, près du martyrium. Ce que le père Coquet appelle le martyrium. Plus on est près du saint, et plus on a une chance d'en profiter. Alors, voilà. Donc, c'était intéressant d'avoir cette sépulture près des souvenirs martiniens, prétendu tel. Parce que si on parle de résurrection des catéchumènes, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'y croire, mais enfin, on dit ça, que Saint-Martin aurait cité un catéchumène. S'il a fait quelque chose, c'est pas la chapelle qu'il a beau, au fond. La chapelle, elle est gothique. Ça a dû se passer sur... Il y a deux salles romaines ici, hein. Galles romains. Une, et puis deux. Alors, si ça s'est passé quelque chose, ce serait par là, hein, plutôt par là, que là-bas où il n'y a pas de traces de choses anciennes. Donc, s'il a fait quelque chose, il n'a pas fait ça en plein air, je ne sais pas ce qu'il a fait. Bref, tout ça pour dire que, alors, cet Ariomeres, là, donc l'inscription, donc c'est Ariomeres Servos Domini Martini Ora Promé. Alors, il y a un rectangle, et il semble qu'il y avait trois lignes de prévues, il y en a que deux qui sont inscrites. Ariomeres, il paraît que c'est mérovingien, enfin, visigothique comme consonance. Père Coquet avait fait des recherches là-dessus, Ariomeres. Servos, pour Servus, serviteur, enfin, de Don Martin, Domini Martini. Alors, prie pour moi, c'est plutôt pour le passant qui passe et qui va. Prie pour moi. Ouais. Toi, parce que bon, oui. Certains ont même allé jusqu'à dire que c'était un faux du père Coquet. Alors, il aurait fait un faux pour justifier ses hypothèses. Mais alors là, moi j'ai fait voir ça à quelqu'un qui est sculpteur, qui a refait des sculptures en Normandie après les reconstructions de la guerre de 44. Il a dit, si c'était moins de 50 ans, moi je le verrai tout de suite, ça se verrait tout de suite. C'est pas possible, ça a été fait à l'époque. Quoi, hein. D'accord. Ah, c'est pas un faux. Et c'est quelqu'un du métier qui m'a dit, bah, si c'était un faux, je le verrais bien. je verrais ça. Bon. C'est quand même malveillant de dire ça. Bah, oui, je sais pas qu'est-ce qui a sorti cette histoire. Ouais. Je sais pas savoir, ouais. Peu importe. Voilà. Mais alors, le père Coquet, toujours dans ses hypothèses, où il remonte très fort dans le temps, il aimerait que, comme c'est un sarcophage visigothique, une inscription visigothique, l'Ariomeres, peut-être pas l'inscription, l'Ariomeres est visigothique comme consonance, alors il fait monter ça peu de temps après Martin. Donc, les Mérovingiens, on a deux ou trois siècles de battement, on a de la place. Mais lui, alors, il imagine que Ariomeres, il a trouvé des ossements, il a mesuré, il a dit que c'est un garçon qui doit avoir une douzaine d'années. Alors il imagine que c'est un prince visigothique qui aurait confié au moine son fils pour son éducation et qui serait mort sur place. Et que donc comme c'est quelqu'un, pas n'importe qui, on a mis son nom. Voilà. Et alors ça remonte à avant le départ des Visigoths, quand Clovis a renvoyé les Visigoths en Espagne. Et donc ce serait... Il mettrait ça en 450. Peut-être, c'est pas possible. Parce qu'après, les Visigoths, il n'y en a plus, hein, à ce moment-là. Ils sont revenus plus tard. Enfin, les Arabes sont revenus plus tard. Bon, alors ceci, on change de place, là. On va aller du côté de la deuxième gravure, deuxième inscription... Une longue inscription où on énumère toutes les qualités de l'abbé, parce qu'il est question d'un abba, edificavit basilica sancti martini. Hein. C'est un père abbé. Hein, donc, il faut trouver un père abbé de ces époques-là qui ait pu faire
construit une église, enfin une, pas une basilique, comme on dit maintenant, basilica, ça veut dire construction religieuse, quoi, enfin, construction église. Igiaset, pourquoi Bona Memoriae, je ne sais pas ça par cœur, on dit toutes ces qualités. Et puis à un moment, il y a Abba Edificavit Basilica Sancti Martini. Alors, Père Coquet disait, enfin bon, revenons à la fin du 7e, il y avait un père abbé à Ligugé, on sait, et on sait son nom, il s'appelait Ursinus. Il avait un moine qui s'appelle Défensor, dont on a les écrits, on a les livres des étincelles de Défensor de Ligugé, qui avait comme père abbé Ursin. Voilà tous les chapitres de son livre d'étincelles, il y en a 81 chapitres. Il fait des citations de l'Écriture, des citations des pères de l'Église, des pères monastiques. Très intéressant, ça. On va revenir après, si on a le temps. Bon, quelle heure il est ? 11h. 11h ? Ah, ça va, on a encore le temps. Vous n'êtes pas trop pressé, vous ? Si ? Non. Bon. Alors, les spécialistes dans la graphie, les inscriptions anciennes, disent que ça pourrait être carolingien. Carolingien, c'est 100 ans après Ursin. Hein. Or, le père Coquet prétend que dans le monogramme qui est là, vous avez un moment Abba, on a son nom, et alors, je ne sais pas, on verra bien sur la photo. Et je suis trop loin, je ne suis pas dans l'axe. Alors, vous voyez ça? Quand on fait des photos à la lumière rasante, c'est plus clair qu'en réalité. Hein. Et vous, on a quelque chose là. On a un N magnifique, manifestement. Il y a un N là. Ça fait un N. Oui, tout à fait. Là, ça fait une boucle. Ça pourrait faire un U. Alors, après ça, il y a encore une boucle là. Hein. J'invente pas, là, on la voit pas bien sur ma photo, mais elle existe. Ça fait ça, avec la branche du N, ça pourrait faire un R. Alors, U, R, on aurait un S à l'envers, Ursi, un I, un N, un U et un S. On aurait tous les mots, c'est un monogramme, donc dans une seule dessin, d'un abbé qui s'appelait Ursinus ou autre chose, on pourrait chercher autre chose, mais on n'a pas trouvé autre chose qui puisse correspondre à ça. Parce que, manifestement, on est sûr qu'il y a un N, on est sûr qu'il y a un U, on est sûr qu'il y a un R, puis après, un U, on a trouvé. L'S est à l'envers, c'est un peu embêtant pour la démonstration. Mais bref. Ça correspondrait assez bien à Ursin. Mais, comme la gravure semble carolingienne, on n'a pas fait 100 ans après la mort d'Ursin, son épitaphe, son inscription. Ça peut être, s'il est, je ne sais pas encore quand il est mort, mais Défensor, c'est 680, est-ce qu'il est mort 20 ans après? Est-ce qu'il y a eu 10 ans entre les deux? On n'est quand même pas loin du carolingien, ça. Hein. Et ce serait intéressant de savoir si c'est près du pré-carolingien, la façon d'écrire les lettres qui sont prétendues carolingiennes, si on remonte un peu, 50 ans avant, est-ce que ça commençait déjà, la manière d'écrire? Moi, je me pose la question. Hein. Donc, parce que sinon, si c'est carolingien, ça ne peut pas être... Alors, il faudrait trouver, à l'époque carolingienne, un abbé d'abord, et on ne sait pas s'il y avait un abbé, s'il y avait des moines à Ligugé à l'époque carolingienne, hein, on n'en sait rien. On a dit au moment que c'était la restauration de Saint-Savin avec Benoît d'Aniane, du temps de Louis le Pieux, donc le fils de Charlemagne, et qui a dû ramener des moines créer Saint-Savin carrément, et que des moines de Saint-Savin seraient venus aussi à Ligugé. Mais ça, je crois qu'on n'a pas de preuve de ça, hein,
qui a des interventions de Saint-Savin à Ligugé à l'époque carolingienne. Alors, est-ce qu'il y avait un abbé? Si un jour on retrouve une liste d'abbés de cette époque-là, et un Ursinus II ou je ne sais quoi, ça pourrait prouver quelque chose, mais pour l'instant, à mon avis, ça ne prouve rien. Il n'y a rien de prouvé qu'il y a une restauration carolingienne à Ligugé. Enfin, peut-être que je dis des bêtises, les spécialistes disent peut-être autre chose, ils ont peut-être d'autres arguments que je ne connais pas. Donc je pose la question, et je trouve que ça ne démontre rien, parce que, premièrement, je n'y connais rien, et puis deuxièmement, je ne vois pas de traces. Enfin. Voilà, et donc cette affaire-là est intéressante, parce que Basilique Abba, du temps où il y avait un père abbé, et ça on est sûr qu'il y avait un père abbé à la fin du 7e, une basilique édifique à vide, il a construit quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il a construit? Ça veut bien avoir des traces de ce truc-là. Alors, l'île Pédescoquet, c'est ça qu'il a construit, dans laquelle il était enterré ensuite. Sarcophage qui se retrouvait ensuite là-bas. Mm-hmm. Ça se tient bien, c'est presque trop bien. Alors, pour ça qu'on le met en doute, en tout cas. Pédescoquet n'est pas archéologue de métier. C'est un amateur, mais un amateur éclairé, parce que quand il trouvait quelque chose, il allait à la bibliothèque, il consultait les dictionnaires d'archéologie, tout ça. Il disait pas n'importe quoi quand même, hein. Il ne faut quand même pas exagérer. On lui prête des trucs. Puis là, il n'était pas le seul. Il y avait des spécialistes à Poitiers qui venaient voir un peu. M. Héguin, notamment, qui était un spécialiste archéologie, qui marchait à fond avec le parcours, peut-être un peu trop. Voilà. Alors après. Vous dites que les lettres sont typiquement carolingiennes. Enfin, on dit, moi, c'est pas moi qui le dis. Oui. C'est très compliqué. Ce qui prouverait que c'est pas Ursin qui est là. Celle qui a étudié l'épitaphe, c'est Cécile Tréfonds. Comment? En fait, c'est Madame Cécile Tréfonds qui a étudié l'épitaphe. Ah oui, d'accord. Ben oui, ils connaissent bien les affaires. Alors, ce serait intéressant de trouver. On a retrouvé. Je crois que du côté de Charente ou Charente-Maritime, des inscriptions qui ressemblent un peu à ça quand même. Et c'est mérovingien, là, par contre. Hein. Et c'était mérovingien, d'accord. Alors, donc, elle dit que c'est carolingien. Elle a ses connaissances que je n'ai pas, donc elle peut avoir raison. Elle parle d'une épitaphe avec. Est-ce que c'est le roi lequel. Où il y a une formule à Reims? Et puis elle dit que la formule qui est sur cette pierre tombale a été forcément prise sur un texte antérieur qui est à Reims. Oui, c'est ça. Oui, d'accord, c'est intéressant. Je n'avais pas dit ça, mais c'est intéressant parce que ça prouverait évidemment. Mais là, j'ai cherché jusqu'à Reims. Moi, j'aime mieux chercher plus près de l'Élysée pour trouver des correspondances d'écriture. Chez les Mérovingiens, éventuellement, si ça existe. Bon. Voilà. On peut parler d'Ursinus, quand même. Pas d'Ursinus, mais de Défensor et son livre. Voilà. Mais ça, c'est peut-être pas partie de l'archéologie. bon, c'est la date, là, on est sûr. Ça veut dire qu'il y a une bibliothèque, quand même. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y avait un monastère, un père abbé, donc un certain nombre de moines, un minimum de moines pour qu'il y ait un père abbé. On n'a pas le droit d'avoir un père abbé avec quatre moines. Hein. Et alors, il cite la Bible, ça c'est normal, il en avait, mais c'était des manuscrits, donc c'était précieux, et on en trouvait pas partout. Mais par contre, il cite des tas de pères anciens, ça veut dire qu'il avait les documents sur lui, hein. Il cite 33 auteurs, hein, qui ne sont pas de la Bible. 33 auteurs, Saint-Augustin, Saint-Hilaire, Saint-Isidore de Séville, etc. Donc il cite 33 auteurs. Ça veut dire qu'il a, ou bien il a emprunté des manuscrits pour les lire, ou bien ils étaient déjà sur place. Il devait avoir une bonne partie sur place. Hein. Donc il y avait une bibliothèque importante pour l'époque. Hein. De manuscrits, tout ça a été écrit, voilà. C'est pas l'imprimerie. Hein. Donc, avoir ça, ça suppose des moyens financiers, et puis des gens pour le lire. Et des compétences. Puis des compétences, et puis des gens pour le lire, pour lire les textes. Et on a besoin de. S'il y a une communauté importante, il faut quand même des livres pour que les moines aient quelque chose à lire, pour leur lectio divina, pour leur lecture de la Bible, lecture des pères.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que les proportions, par exemple, livre des Proverbes, 243 citations. Et alors, il y a aussi, où est-ce qu'il est ? Ça, c'est la Bible, c'est autre chose, ça, mais je cherche maintenant. Isidore de Séville, où est-ce qu'il est, Isidore de Séville, qui est très cité, 433 citations. Hein? 433. 433 citations dans là-dedans. Hein? Et là, par contre, Saint-Hilaire, 4. On pourrait penser que Saint-Hilaire, pas de Poitiers, il avait des... Mais Saint-Hilaire, pour défenseur qui n'est pas un théologien, Saint-Hilaire est très, très calé au point de vue théologie, donc c'est pas ça qu'il n'avait pas la formation pour lire Saint-Hilaire, et puis très beau latin, Saint-Hilaire, c'est magnifique. Et c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est les livres de sagesse. Donc dans la Bible, il va choisir de préférence la sagesse, les ecclésiastiques et tout ça. Hein. Livre des Proverbes, Cantique, trop peu. Par contre, Saint-Jérôme, 166. Hilaire, oui, où est-ce qu'il est Saint-Augustin ? Augustin, 59, donc déjà très lu à ce moment-là, 59 citations. Il avait des textes. Donc c'est intéressant. Alors tout ça, qu'il est tout ça. Donc 33 auteurs, c'est pas rien. Et donc les livres, c'était sans doute qui étaient sur place ou empruntés à des voisins, mais, mais on ne peut pas les prêter facilement. Oui. Non, ça c'est possible. Il les copiait plus que cela, peut-être. Ben oui. Et c'est à quelle année hein? Alors ça, c'est 680, ça. Donc c'est à 680, on estime qu'il y a... Autour de 680, et ça c'est... Mm-hmm. On est sûr de ces dates-là, Défensor et Ursinus, on sait leur date, en gros. Et eux-mêmes ont écrit ? Défensor a écrit, enfin, il a copié des citations, oui. Donc il a fait un livre. Hein. D'accord, oui. Des étincelles, comme on appelle ça. Pardon, hein. Des livres des étincelles. Les étincelles. Voilà. Et on a gardé quelque chose, on a encore ces ouvrages. Alors, ben oui, parce que pour le 16e centenaire de l'abbaye, il y a le père Rocher qui a quitté la vie monastique, enfin qui était moine de Ligugé à ce moment-là, qui est parti un peu après le concile, il s'est retrouvé bibliothécaire à l'Institut catholique de Paris. Et il avait beaucoup travaillé les textes anciens de Défensor en latin. Il a fait une édition critique en latin. Puis il a fait une traduction pour le 6e centenaire de 1961, où j'étais là, moi. J'étais là, 1961. Et dans la collection des sources chrétiennes. Les sources chrétiennes, maintenant, il y a plus de 300 volumes, hein, 400 volumes. Donc c'était dans les premiers, pas dans les premiers. Donc il y a deux volumes des sources chrétiennes, pour le livre les deux livres de Défensor, sur Défensor, traduit en français, et édition sérieuse. Voilà, donc on a accès à ça, on peut les lire. Hein. Mm-hmm. Moi j'ai lu ça dans ma jeunesse, je suis pas revenu, mais voilà. Mais des livres de cette époque, mm-hmm. Alors, il y a beaucoup de manuscrits, c'était avant l'imprimerie, donc c'était des manuscrits, et c'était très connu dans le monde monastique, ce livre d'étincelles de Défensor. Ça a eu un certain succès pendant tout le Moyen-Âge, près des moines. Mm-hmm. Vous n'avez pas tous sous la main des livres. Mais là, à la bibliothèque, vous avez des ouvrages extraordinaires. Vous alors maintenant, on n'a pas tellement de choses anciennes, hein, parce que la bibliothèque de Ligugé a été reconstruite, rétablie, enfin regroupée après l'arrivée des moines en 1850. Hein. Donc il n'y avait rien quand ils sont arrivés, tout avait disparu. Hein. Alors ils ont eu des héritages, ils ont fait des découvertes, ils sont allés en Espagne, ils ont ramené pas mal de choses. C'est un fonds important. Hein. Et maintenant, on n'a plus que 250 000 volumes, etc. On ne sait pas la plus grande bibliothèque, même monastique, Selem en a plus que ça. Mais bon, c'est déjà pas mal. Travaillait devant l'église actuelle, devant le portail. Et il a trouvé, c'est là qu'il a trouvé de nouveau du gallo-romain, deux salles gallo-romaines, ça c'est admis. Et puis, il dit, est-ce qu'il y a quelque chose en dessous? Parce qu'on ne savait même pas qu'il y avait une crypte à Ligugé. On avait oublié qu'il y avait tout ça. Hein? On n'avait rien sur notre histoire.
ça tombe bien, c'est bien tombé pour le 16e centenaire, parce que ça les piles, on a enfin pu démontrer que ce Martin était passé à l'IUG. C'est pas lui qui avait mis en doute, il y avait un auteur qui avait mis en doute que Saint-Martin était à l'IUG. Ah oui, Babu. Qui c'est qui avait dit ça? Babu, je crois qu'il s'appelait. Babu. Il a dit quoi que? Que Saint-Martin n'était jamais venu à l'IUG. Il n'était jamais venu. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est une idée, ça, entre autres. Alors, il a fait des fouilles, il est tombé par là. Il a creusé. C'est là qu'il a trouvé ça. Il s'est dit donc, il y a quelque chose à trouver. Ça a commencé là. Mais alors, ensuite, ils ont commencé à dégager, ils ont trouvé tout ça. Puis ils ont continué, ça a duré des mois. Hein. Puis sortir la boîte, là, il n'y avait pas d'instrument moderne pour tout remonter. Alors, il a fallu tout sortir, ça a passé du temps. Il y avait une équipe importante. Enfin, je ne sais pas si c'était important, enfin, peut-être deux ou trois quand même, ou quatre. Voilà, puis tout ça a été dégagé. Il y a des traces de peinture là-dessus, quelque part. Donc là, on a daté un petit peu cette chose. Alors ça fait partie de cette construction-là. On est où? On est là. Attendez. Voilà le portail. Voilà. Voilà le bassin gallo-romain. Donc on est par là. Donc c'est pas ça, mais c'est ça en fait. Ça doit être ça. Mais c'est un peu décalé, je ne comprends pas très bien. Il y a ces affaires-là. Ce serait plutôt ça. Parce que je comprends. Cette partie-là, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose en face? Je ne vois rien. Ça de l'autre côté. Non. Bref, il a complété, là. Et c'est pas là, mais peu importe, c'est pas là. Voilà, très bien. Donc Saint-Martin est venu à l'IUG, c'est pas mal. Pour nous, c'est intéressant. Alors, est-ce que vous pouvez dire un mot ici de l'oculus, et moi je prendrai les photos dans le jardin. Alors, l'oculus, est-ce qu'on va en parler ici? Parce qu'autrement, il faudrait le filmer s'il ne pleut pas avec l'appareil photo, puis après le texte. On va aller le voir. Donc, parlons de l'oculus. Ça, c'est que, vous aller dehors, on ira le voir après, on va parler avant. Oui, comme il pleut, c'est pas très. Alors, donc, voilà, on est comme ça. Hein. Nous, on est rentré par là tout à l'heure, hein, sur le clocher. Cette partie-là a été rasée, donc ça, il y a un mur là, maintenant. Mais c'était comme ça. Et là, il y a un arc là. Et bien là, il y a un oculus, là. Un œil, quoi. Une ouverture, quoi. Pas très grande à l'extérieur, mais qui s'en va en évasant. On va pouvoir, en montant l'escalier, on pourra le voir. Cet oculus. Et il était là avant, évidemment, la deuxième construction, qui est avec la voûte, là. C'est là. Hein. Alors, ce qui se passe, c'est que cet oculus s'est détérioré. Alors, est-ce que c'est le père Coquet lui-même qui l'a dégagé? Mais ça avait été fermé, en fait, de toute façon. Peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que c'était encore ouvert, ou bien est-ce que le père Coquet a dégagé les pierres, parce que ça aurait été fermé. Mais il y a eu une restauration, il y a une très belle construction, comme pour ici, c'est bien construit, c'est de même époque. Hein. Et il y avait des pierres qui sont tombées. Alors quand ils ont voulu refaire l'oculus, ils ont ramassé des cailloux, mais c'est pas les mêmes, on verra ça. Hein. Donc c'est là qu'il faut mettre du temps, pour que c'est le temps de se détériorer. Si on avait retrouvé les cailloux sur place, on les aurait remis aussitôt. Donc voilà, s'il y a 80 ans entre les deux, ça ne peut pas tenir. Leur hypothèse ne tient pas. Donc il faut mettre du temps davantage. Et ça, on n'en parle pas. On ne dit rien de ça. Hein? Parce que ça ne va pas dans le sens de l'autre. Alors, comme dans beaucoup de choses, on retient les choses qui vous intéressent, et puis ceux qui ne vous intéressent pas, on les néglige. Eh bien là, c'est magnifique, c'est extraordinaire, parce que. Alors, la voûte est devant l'oculus, donc l'oculus ne sert plus à rien une fois que la voûte romane est arrivée. Hein. Alors, est-ce qu'ils l'ont fermée à ce moment-là? Est-ce que c'était fermé? J'en sais rien. Mais elle était avant, et elle attend de se détruire, de se détériorer. Et ensuite, on la répare comme on peut, pas aussi bien qu'avant, et c'est seulement après précoqué, 300 ans avant, qu'on construit quelque chose devant. Ça se tient là. 80 ans, c'est pas assez. Ça n'a pas le temps de se défaire. Et si ça avait été 80 ans après,
Pourquoi cacher cette chose qui était bien, ben, bon, je, bref. Non, je patauge un peu moi aussi. Hein. Il y aurait pu avoir un accident, une guerre, un tremblement de terre, quelque chose qui l'aurait détruit plus tôt, qui aurait détruit en... Non. Ben, vous savez, ils avaient des flèches et puis des bombardes, ça n'existait pas encore. C'est vrai. Ouais, donc, ils travaillaient à, je ne sais pas comment, moi, à l'épée. Oui. Ouais. Fabrice, vous pouvez dire un mot du cerf aussi, le cerf qui est le bas-relief qui est dans la... Ah, qui est maintenant dans l'entrée de l'abbaye. Intéressant ça aussi, parce que ça c'est ancien par contre, là je crois que c'est pas discuté. C'est mérovingien apparemment, enfin c'est au moins mérovingien. Ça semble être une... Ça va être le long d'un escalier, peut-être un embon pour proclamer la parole, quoi, hein. Et puis c'est triangulaire, donc le cerf comme une biche aspire après l'eau vive, il y a des choses. Donc ça c'est ancien. Donc il y a une symbolique. Il y a un symbole du cerf. Oui. On aspire à la parole de Dieu qui va être proclamée là justement à cet endroit-là. Ils ont voulu faire un dessin, donc ils ont mis un cerf, ils ont mis autre chose, ils ont mis un ange, je ne sais quoi. Mais bon, je ne sais pas grand-chose là-dessus, moi je ne sais pas pour la datation exacte, mais c'est ancien, c'est au moins carolingien, me semble-t-il, mais... C'est peut-être le père Coquille, mais c'est antérieur. Mais pour parler carolingien, il faut qu'il y ait des moines à Ligugé. Oui, c'est ça. Et on ne va pas faire des installations s'il n'y a personne, si tout est en ruine. Alors, moi, je fais la question. Ça peut être déplacé, ça peut être ailleurs et déplacé. C'était trouvé dans les fouilles, je ne sais plus à quel endroit. Et alors, ils l'ont sorti, au moment où il était ici. Puis là, est-ce que vous pouvez parler aussi de la Saint-Martin d'été, puisque les moines venaient, moi j'ai connu ça encore, on venait pour la célébration eucharistique ici. Ah oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez dire un mot des catacombes aussi, puis de la célébration eucharistique aussi dans les catacombes? Les catacombes. Oui. Alors, ce qui se passe, c'est que... Moi, quand je suis arrivé, il y avait un mur par là, quelque part, qui séparait, il y avait deux pièces, avec une porte. Il y avait un mur aussi, c'était fermé. Il y avait deux salles. Et si bien que la Saint-Martin d'été, c'est-à-dire le 4 juillet, qui est l'anniversaire de l'ordination de Saint-Martin, quand il est devenu évêque de Tours. Alors, c'était une fête qu'on célèbre encore, nous, on a Saint-Martin le 11 novembre, et puis la Saint-Martin d'été, le 4. Bon, et, du temps du Père Michel, pendant plusieurs années, peut-être une dizaine d'années, on venait, c'était impressionnant, célébrer l'Eucharistie là, sur place, là où Martin a vécu, dans les parages. Hein. Alors, on commençait la journée de la parole ici, puis on franchissait la porte, et puis on allait célébrer là-bas, plus loin, là, au niveau de l'exode, peut-être, je ne sais plus. Et voilà, ben, moi au début, c'était très, très émouvant d'être là, sur les lieux. S'il n'a pas habité là, s'il n'a pas prié là, c'est quand même... on remonte à... On était vraiment du temps de Martin, à cette époque, avec au moins le bassin gallo-romain, tout ça. Ouais, Martin a connu tout ça, même s'il n'a pas été à cet endroit-là. Père Coquet prétend que c'est Saint-Martin qui avait construit ça. Mais ça, je crois que ça ne tient pas très bien, ça. Alors, à ce moment-là, on y croyait, alors on est venu. Mais... Alors, ça faisait un grand déménagement, chaque fois il fallait amener des bancs, des chaises. Alors, on a pris la solution de la facilité, mais je regrette un peu. J'aimais bien de revenir sur les lieux comme ça, martiniens. Oui. C'est tout ce qu'il faut dire? Les catacombes, est-ce que la célébration eucharistique dans les cryptes était en prolongement d'une habitude romaine, c'est ça, je sais pas. Ben, dans les catacombes, ça remonte quand même. Les catacombes, c'est pré-martinien, ça, apparemment. Hein, c'est le tout début de l'époque chrétienne, quand les chrétiens sont... Ouais. Avant autant des persécutions, se cacher dans les catacombes. Il y a des catacombes, il y a des... Non. Alors, c'est peut-être... Bon, les cryptes, il y en a partout. Hein. Il y en a
Il y en a à Notre-Dame-la-Grande, il y en a à Saint-Savin. Bon, quand il y a un petit groupe qui veut se célébrer, on célébrait volontiers dans la crypte. Et ici, on a aussi on avait une crypte, et on célébrait dedans. Bon. Donc on est venu. Bon, allez, on va aller voir l'oculus. L'oculus et puis le cerf. Il va y avoir un autre de l'autre côté. Oui. Mais ça, c'est intéressant. Ça. Pierre, comme ça.